Alors, ce que j'ai fait ici, c'est ajouter une forme de motif. Donc, sur le même trait que là où il y a déjà la forme diffuse, j'ai fait une forme de motif, elle est là. Donc, si on ne va pas dans le détail, c'est facile à faire. Et donc, elle peut être utilisée seule, comme on le voit là sur ce trait-là, ou ajoutée à la forme diffuse. Ça se gère par la palette aspect. Alors, pour faire la forme de motif, j'ai utilisé un document sur le côté dans lequel j'ai demandé d'afficher la grille. Et l'idée, pour que ça fonctionne, bien sûr, c'est que la. Je vais peut-être afficher en tracé, là voilà. Non, en tracé, on ne voit pas la grille, c'est pas bien. Je vais mettre plutôt une couleur plus claire ici. Ok, donc l'idée c'est que le tracé au début attaque de manière perpendiculaire et évidemment à la fin aussi. Oui, et au même niveau. Voilà, c'est ça, c'est pour que ça se répète. Mais voilà, pour qu'on puisse dessiner et que ça se raccorde, il faut absolument faire une forme de motif. Une forme artistique ou une forme diffuse, ça marche pas, ça se raccordera pas bien. Bon, ben alors, voilà. Je vais refaire ça dans un nouveau document, tout simplement. Je pourrais le créer dans le même document que là où j'ai déjà fait les coccinelles, mais enfin, voilà. Je vais le faire dans un nouveau document. Dans lequel on demande donc affichage, afficher la grille. Alors le paramétrage de la grille, ça se fait si nécessaire par les préférences repères et grilles. C'est là qu'on peut décider le nombre de subdivisions qu'on a. Bon, par défaut, comme on voit ici, c'est 8, mais parfois c'est plus intéressant d'en avoir 10 ou d'en avoir voilà, un nombre différent. Par exemple, j'ai indiqué 4 subdivisions ici. Le pas, par défaut, c'est 1 pouce. Donc sur ma page A4, j'ai des lignes épaisses de 2,54 cm, 1 pouce. Mais ça aussi, ça peut se modifier si on veut. Mais enfin, ça n'a pas trop d'importance pour créer la forme de motif, parce que on va de toute façon pouvoir modifier sa dimension après, une fois qu'elle est faite. Ok. Eh bien voilà, je prends le crayon et je vais commencer à dessiner ma feuille à ma branche, voilà, en m'arrangeant pour revenir au même niveau.